téléspectateurs, on appelle encore une fois salut. On a dit ou bienvenue sur l'autre édition de Tête à Tête sur Télécole avec vous, comme d'habitude, pour présentation émission. Ça, c'est Charles Lucien qui l'a. Nous gagnons. On va regarder son événement extraordinaire qui va être là sous les créoles Kounian là, justement pendant notre 30e année de célébration. Nous. Mais avant, nous allons prendre un petit temps pour nous partager avec vous une nouvelle que peut-être en pile nous tendons déjà. Papa, il y en a un animateur, il y en a un présentateur de programme nous dans Télé Créole. On a parlé de Junior Mengual, et bien papa, Georges Mengual, monsieur Maury, à l'âge de 86 ans, dans la date qui était 1er mars, qui s'était passé là. Donc, nous tous staff dans Télécréole, nous tous collaborateurs, nous tous amis, on a pris un petit temps pour nous faire penser à Georges Mengual. Thank you.
c'était en musique de circonstance pour noter, évoquer mémoire de Georges Mengual qui mourut à l'âge de 86 ans. Non, c'est pas, encore une fois, on dit que M. Simon Tigouave, que l'ITI, pendant les années 60, il était responsable service de douane du côté Tigouave. Et si nous réalisons le travail que Junior Mengual a fait ici dans la communauté en tant qu'animateur, présentateur de radio et probablement. Principalement de culture haïtienne à travers Musicly, travail que le fait avec Grand Mounio du côté de Kaipam, dans Dorchester. Et je connais tout que monsieur, il était ancien professionnel de la boxe en Haïti. Certainement, tout ça, c'est des reflets de qui moun que papa le dit. Dans ces circonstances, encore, je ne dédie tout staff télécréole, tout ami, à pays Kobe Tetio, pour souhaiter Junior Mengual toute condoléance, en attendant que monsieur le retourne ici avec nous dans télécréole.